Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Canal 7, à votre chaîne panafricaine. Messieurs et dames, bienvenue à votre émission C'est ton droit, l'émission qui vous éclaire sur les questions et les problèmes de droit que vous rencontrez dans le cadre de ce numéro. Nous parlerons du mariage coutumier. Vous êtes confortablement assis, c'est parfait. Terence et Amanda sont un couple de trentenaires. Il y a 2 ans, ils ont célébré leur mariage coutumier dans un quartier de la capitale. Depuis lors, ils vivent ensemble dans la même maison comme mari et femme. Terence est un chef d'entreprise. Tout ce qu'il entreprend marche bien et lui rapporte beaucoup d'argent. Amanda est gâtée par son compagnon. Il lui offre tout ce qu'elle demande. Elle est donc jalousée par les sœurs de Terence qui estiment qu'ils ne sont même pas mariés à l'état civil. Pour Amanda, c'est un détail qui lui importe peu puisqu'elle vit le parfait amour avec son compagnon. Un jour, Amanda apprend que Terence a fait un accident de circulation qui lui a ôté la vie. Avant sa mort, il n'a jamais pensé à faire un testament. Dans la panique totale, Amanda s'interroge sur le sort qui lui sera réservé. Mais selon vous, que prévoit la loi? La réponse, c'est juste derrière cette transition. De retour pour la suite de votre émission C'est ton droit. Avant même de lire le droit dans cette histoire, nous trouvons important de vous expliquer ce qui constitue un mariage coutumier. Retenez que c'est l'union de 2 personnes en présence de leurs 2 familles qui, durant la cérémonie, leur donneront leur bénédiction. Au Gabon, la loi ne reconnaît pas le mariage coutumier. Celui-ci a même été aboli avec la suppression de la dot par le biais de la loi 1963. Sachez que l'article 672 du Code civil gabonais dispose que seules les femmes mariées à l'état civil héritent dans le cas d'une succession légale sans testament. En revanche, la femme mariée à la coutume est héritière si le défunt en a décidé ainsi dans un testament. En somme, Amanda ne peut hériter de son compagnon Terence. Voilà, c'est la fin de votre émission C'est ton droit. En espérant vous avoir servi tout au long de ce numéro consacré au mariage coutumé, je ne pourrais vous quitter sans vous rappeler que vous pouvez nous adresser vos propositions de thèmes sur Facebook/C'est ton droit. Bonne suite des programmes sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. N'oubliez pas que nul n'est censé ignorer la loi. Au revoir et à bientôt.